enfants, les papiers, les déchirer les papiers. Donc la peinture que je vous présente se situe dans la perception que j'ai d'une nature originelle. Ici, c'est le travail pictural qui prime, avec ces projections de pigments qui m'ont permis, par rapprochement, par agglomération, de reconstituer des formes issues de la nature. Là, il y avait une première idée qui était de penser à une source, à quelque chose qui venait du paysage. Les premières ébauches ont été faites en Périgord, à la campagne. C'est un travail qui est proche d'une nature naturante, comme disaient les abstraits au début du siècle. Cette nature naturante, finalement, se fond dans le travail proprement pictural des pigments et des couleurs. Cette toile est la version ultime d'une série. La série a commencé par des photos au bord d'une petite rivière, toujours dans le Périgord, qui s'appelle le Séou. C'était particulièrement bucolique, avec des rochers, des arbres, les gens qui jouaient, qui se baignaient dans la rivière. Les impressions que j'avais eues, la sensation de création de végétaux qui poussent, qui passent les saisons, qui se défont, et qui renaissent. Cette toile-là, où on peut reconnaître en bas les traces blanches de l'eau, il y a un travail à l'huile qui a été repris sur ces formes qui évoquaient les arbres sur cette rivière. Mais cette toile a été une étape vers cette toile plus grande, plus abstraite, où j'avais suffisamment mémorisé les éléments de la réalité pour les intégrer et les penser plus en tant que peintre. Donc, ça veut dire que j'étais avec mes agglomérations de pigments qui recréaient, qui faisaient surgir des formes, un peu comme les atomes font surgir des corps, les objets qui nous entourent. Ces corps qui sont en perpétuelle création et destruction. Donc cette sensation de vibration qu'on a en regardant la toile vient quelque chose qui vient de la vie, qui n'est jamais figé, jamais déterminé une fois pour toutes. Dans une forêt tropicale, j'avais fait des petits croquis et je les avais enregistrés, mémorisés, et je me suis emparée de pigments vert de gris pour essayer de recréer cette sensation qu'on a quand on regarde ces forêts tropicales avec l'humidité de création et de pourrissement, de destruction, de renaissance.